Et je commence à reconduire. Ok. Oh, faudra que je reset la game 100%. Oh! Mais j'ai pas le choix. Ah ouais. 3, 2, 1. Attends. Paf, moi j'ai déjà commencé, trop tard. Hey. Ok, bon. Go. Aussitôt que je commence le jeu, j'ai un shop de départ. Moi aussi. Arrête de copier mon RNG. J'ai des... Ouais, t'as des droits d'auteur sur le RNG. Ben, je pense que j'ai un... J'ai eu un level à clé. Ah bon? Moi, j'ai eu un level à un shop. Je pense. Jusqu'à date, j'en ai juste vu un. Oh. Moi j'ai un deuxième chat. Chanceux. Le premier c'est Dead Puppet, puis le deuxième. Soit, puis le troisième, oui, parce que j'en ai bel et bien un troisième. Oh, le premier c'est. Mon premier chat c'est Confusion. Hell yeah. Le troisième c'est Force Blast. Donc dans le fond, il y a peut-être juste Dead Puppet que je vais prendre là-dessus. Est-ce que t'as vraiment juste un, deux, trois, t'as vraiment trois shops? Ouais, dans le premier level. Moi, je suis déjà dans le deuxième level. You're too slow. Hey, je veux pas des clés, j'en ai déjà trop. Dans la vie, il y a des choses qui font peur. Un shop. C'est quoi le shop? Keymaster. C'est correct. Mais on peut faire mieux. C'est impossible à tuer sans perdre le pacifisme. Ça veut rien dire ce que j'ai dit là, mais c'est pas grave. Je t'en contente pas. Et c'est la mort de... Hey, on est déjà rendu à deux rounds, c'est que je crève à cause d'un Raven. Tanné, sérieux, je suis déjà tanné de la run. Ça va pas bien ton affaire. Le pacifier, c'est pas fait pour avoir des Raven, sauf quand t'as Dwarf Sherry. Doulou. Savais-tu ça que c'est faisable d'éviter les dégâts d'épique avec un soul frame perfect? Hein? Je pense que ouais, tu me l'avais déjà dit. Je l'avais déjà dit pour le feu, mais avec le... Avec l'épique aussi, ça marche. Bon, jusqu'à date, t'as combien de shops, là? Moi, j'en... Tabarnak, j'ai perdu du temps là-dessus. C'est quoi, t'avais un boss larve? Non, fait des mauvais choix de... De shop? Non. De où est-ce que je me dirigeais? Thank you.
Ah, j'ai ça, ces sons-là, je sais que c'est faisable, je sais que c'est greedy d'y aller pour ces sons-là. Hey, dans ma run de 100%, là, je pense le deuxième ou le troisième shop que je pogne, je tombe sur Agile. Ah oh, ouais? Oui. Je veux ce shop. Ça c'était mauvais, mais... C'est recovery, mais c'est pas grave, c'est un shop. Bon, ça risque peut-être d'être un des derniers que je vais pogner dans le niveau 1, là. Un quoi? Le shop. C'est un autre shop, mais ça me prend quelque chose comme 4 cents de plus. Je me rappelle plus si c'est 50 ou 55 points, le shop qui vient, le quatrième shop que t'achètes. Je vais être honnête avec toi, j'ai jamais porté attention à 100%. Ah, c'est Magic Missile, c'est pas grave. Ça fait un shop. Ben, c'est quand même une option à moi, semi-viable. J'ai jamais pris ça. Je sais que c'est genre. C'est juste du spam. C'est une forme de spamming. Ouais, c'est moi. C'est pas mal tout le monde avec ça quand tu spams. Non, okay. Pas tant. Ça fait pas tant de dégâts que ça, malgré tout. C'est ça. Holy Roll. Yeah. Holy Roll. Non, c'est un shop, ça! Ça aurait été mon cinquième shop, non! Là, je les ai pas mal tout épuisés, les shops du niveau 1. Dans ce touch, non. Moi, je l'aurais pris. Ok, je ne me ferai... Qui en tabarnouche là-dessus? Hein? Oh non, je me parle. Peut-être que tu dois débloquer les... De genre... De gagner genre des niveaux d'XP juste parce que tu perds des ennemis. Tu libères des quoi? Juste parce que tu libères des... Des personnes d'un cage. Mais quand tu vas dans tes options juste pour... y passer un ninja bleu qui... Juste parce que... En fait, je pouvais pas éviter le ninja bleu. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est de juste disable mes auto-attaques puis de manger 7 de dégâts à la place. D'affronter la mort parce que moi, oui, je joue avec les auto-attaques. Ok, là j'ai Crossbow, Confusion puis Magic Missile. Ça va être drôle. Quand passe ça? Ah, c'est toi qui va le jouer, fait que tu sais. Et c'est le spam clic de feu. Bon, là il me manque juste un shop pour finir le jeu. Il manque juste un bon spell. Oh, on va se calmer, finir le jeu. Bon, c'est sûr que là je suis un peu faible, parce que J'ai pas encore acheté le... J'ai pas encore
Je fais pas casser mal. Ok, faut pas que je me plante. Non, non, j'ai bête mon dead puppet, ça trigger un ninja bleu. Deux levels en ligne avec un ninja bleu. J'ai vu quelque chose de correct. Non! Ah! Oh, je te dis, c'est quoi que j'ai vu? Polymorph. Je sais pas, là, j'étais un peu. J'ai tout juste de te le dire. Ouais, non, mais c'est pas ça, c'est parce que j'étais comme en situation un peu dangereuse. Avec un ninja bleu qui me suivait au fond de train. Mais ouais, je suis mort juste. C'est à cause que c'est genre, je voulais. J'avais pas assez de gold pour débloquer Polymorph. J'ai battu le boss, c'est genre, quand je me suis tapé en haut, je suis mort par un ennemi qui était random. Ouais. Tu sais, c'est genre quand tu te fais taper genre sur un ennemi. Ça, tu le sais pas qu'en haut complètement de la map, il y a un ennemi. Parce que c'est genre une alarme que j'ai trigger qui a fait ça. Pas grave. Tout est correct, il reste encore une heure pour trouver un bon shop. Ça, c'est de la bulle. Jusqu'à date, je l'ai pas passé une seule fois, le niveau 2, toi. Moi, oui, une fois. C'est bien chier ça. Je vais skip ce level là parce que là, je peux me permettre deux parce que sinon c'était la mort. Puis je rends cette zone un peu plus payant. Skip un boss? Ouais, mais c'est parce que je me suis ramassé vraiment. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à éviter quelque chose. Greedy, non, c'est pas bon ça. Non. Je m'en suis rendu compte en faisant des runs de 100% que Greedy c'est pas worth à avoir dans aucun cas. Parce que les gars. Toi qui te fais les idées. Parce que dans le late game, c'est genre t'es. Les goals que tu prends, c'est pas. Pour moi, en tout cas, c'est pas mal juste par les boss fight. Je suis déjà à côté du boss. Ça fait que si je peux avoir un spell qui est déjà meilleur, ça serait déjà plus hot. J'aime les RNG de feu quand t'as des popettes. Bon, level 4. Moi mais aussi. J'ai toujours pas le warp du level 2. Moi non plus, je prévois pas de le prendre avant peut-être 20 minutes dans Rum. Yo, c'est pas mon ami qui est fou. On est déjà occupé. Ouais. Ok. Désolé, mais. Ouais. Bon. Ça peut arriver. Oh. Je sais pas, j'ai pas l'impression que mon vertical drop hero a aimé la visite de l'autre papoute.
Ah, je suis quasiment battu le niveau 4. J'ai pris Lightning, c'est de quoi d'acceptable selon moi, malgré tout. C'est genre un bouton de genre press Z to kill. Si tu veux avoir de l'XP d'urgence. Ouais, Lightning, ouais. Et puis en plus, c'est un spell qui se recharge avec les potions bleues. Ah ouais. Puis quand même, qui fait pas pire de dégâts. Disons que je le prends rarement, Lightning. Il y a des choses qui sont mieux. Bon, je suis un petit peu dans la merde à ce moment-là. Fait que j'ai... Et donnez-moi le bon shop. First Glass, non. Ah, j'ai Phoenix comme trait. Fait que, étant donné que j'ai pas un seul trait encore, Phoenix, c'est sûr, je le prends. Ouais, je pense pas avoir de trait présentement. Ah, que j'aime ça, pouvoir moi. Instaquer les boss. Jusqu'à date, est-ce que tu vas toujours avec ta route ou c'est que tu t'essaies de tuer un maximum d'ennemis pour te faire des gold? Ben en fait, moi, en 90%, c'est sûr et certain, étant donné que je m'en balance, je veux juste terminer mes levels le plus rapidement possible. Mais je sais pas, juste pour te dire, si j'avais pas. Si au lieu de prendre le katana, j'aurais fini le jeu. Dans la run 100%, là. Je finissais en 1h05. Ça, c'est avec genre le méga grinding de fou que je faisais au début, que je fais au début. Il est vraiment beaucoup trop grand pour. Mais en ce moment, j'ai un kit fait pour tuer beaucoup d'ennemis. Fait que. C'est cool. Je veux dire, ça serait de. Ben, d'être puppets avec Lightning. Ah ouais, c'est vrai, c'est bon. Autant que tu te pognes un petit dégât dans de l'eau électrique, tu déclenches ton dead puppet. Nasher, non. Puis dead puppet, c'est pas tant pire que ça contre des boss. Et Lightning, ben ça peut être très OP contre les boss, autant au début de jeu. Bon, moi je suis au niveau 6 en ce moment. Oh, tabarnouche, ok, ouais, t'as progressé vite, toi. Mais moi je pense qu'avec le kit que j'ai, je vais pouvoir progresser vite. Sandworm, oh, ça peut être un très bon shop à prendre. Ok, ça c'est fait. Ok. Dwarf Turret, yes. Le qui? Ben moi je viens de pogner Sandworm à contrepartie que je préfère.
Bon, ok, je me suicide, comme ça je peux recommencer. Holy moly. Bon. Ok, boomerang, non, fuck off, je le prends pas. Bon ben, moi c'est juste un rush pour me rendre à la fin, là, je te dirais. Ah ouais? Weird. Même si je te dirais que j'aurais préféré avoir Polymorph parce que c'est plus facile de clear le niveau 10 avec Polymorph pis Crossbow. Oh shit, là-dessus j'ai failli crever en tabarnouche. Je te dirais là, que ça serait entièrement faisable de finir ce jeu-là en moins de 30 minutes si tu pognes pas les morphs. Parce que moi j'ai fini là, de checker les shops. Tout ce qu'il faut que je fasse c'est que j'active les warps. Évidemment, je me fais du cash parce que les warps qui sont à la fin du jeu sont chers. J'en reviens toujours pas que dans ma run 100%, j'ai pogné Agile comme deuxième shop. Réalise tu l'avantage que ça donne, ça, de pogner Agile aussitôt que ça? Ouais, quand même. Bon, là, moi, j'y vais en mode destruction de level. J'ai une pogné un Shop Magic Blade, mais je l'ai pas pogné parce que j'ai Dwarf Turret. Hey, j'ai pas. Jusqu'à date, j'ai vu les trois bons shops. C'est peut-être pas un si gros avantage que ça quand tu y penses. Parce que. J'ai vraiment. Parce que tu pourrais juste en trouver un toi aussi, genre dans les 40 minutes. Si je pogne Magic Blade, là, c'est sûr que je me suicide pis que je me pogne staff avec Magic Blade pis je fais juste hop ma vie. T'as même pas besoin d'augmenter tes dégâts avec Magic Blade? Non, ça sert pas vraiment à grand chose. Ah. Lightning qui me sauve la vie. Probablement dans la mouise. Mais oui! Fire trap. J'aime ça me faire de l'XP en faisant rien avec confusion. Hey, j'ai pu m'économiser une clé à cause que j'avais une bombe qui se prend au-dessus. À côté du warp. Ça c'est bien. Et quoi que je fais là? Je pense que c'est une mauvaise idée ce que je fais présentement. Oh! Oh! On a snipé deux fois, lui. Oh!
Ah, que ça fait tellement. C'est tellement le fun de ne pas avoir la pression de regarder chaque shop que t'as dans ta face. Qu'en penses-tu? Ouais. Parce que moi, la seule raison pour. What? Warwick m'a bouffé! Il t'a one shot. Littéralement. Attends, je vais essayer de me pogner Lightning avec. Star. No. Pis Sunworm. Ok, ça suffit les conneries là. Ce jeu là, c'est un bon jeu. Mais faut apprendre à le domestiquer. Jusqu'à date, j'ai toujours pas pogné aucune larve. Dans ma run 100%, je serais rendu à peu près 4 larves à ce point-ci. Je sais pas, j'avais quasiment le goût de rage quit. Ah ben! Bon ben, là, la larve. C'est le karma instantané. Oh. Pourquoi Staff, Lightning pis Sunworm ensemble ne veut pas? Je suis pas capable d'avoir cette randomisation là. Parce qu'on s'entend que c'est un peu en demander beaucoup vu quand t'en demandes 3 en même temps. Ben non, étant donné que j'ai très peu de shop d'acheter. Ah, oh, ok, j'en ai pogné un. Et ça? Mais est-ce que Sunworm ça te permet de finir le jeu? Non, mais ça me permet de descendre vite en tabarnak pis de pour aller affronter le boss. Moi aussi ça s'appelle la crossbow. J'ai pas besoin de beaucoup d'XP pour tout ça. Ouais mais. Ok mais ça. Au boss, Ok mais il est où le ward bleu? Y'a pas de ward bleu. Non. Bon ben faudrait que je... Ça va être une ronde aussi que je me fais du cash d'abord. Ah. Attends, je viens de me softlock, c'est quoi ça? Ah oh, ouais, comment ça? La manière que j'ai faite, c'est que j'ai. C'est genre, j'avais un champignon que j'aurais pu utiliser pour monter en haut, mais après, j'ai été obligé, genre, de me suicider dans un pic parce que je pouvais pas. J'étais genre poigné dans une cage. Ah ben Magic Blade encore. C'est triste ça. J'en ai pas de besoin. T'en merde. J'ai besoin d'une clé et d'un warp bleu pour aller en...
sais pas, mais dans le niveau 4, c'est très rare que je tombe sur un warp bleu quand j'en ai besoin. Je sais pas c'est quoi qu'il y a avec la RNG de ce niveau-là, mais... Il apprécie pas les warp bleus, on dirait. Tiens, j'ai pas les morphs là, je vais le prendre parce que ça va me permettre de gagner du stade dans le dernier boss fight. Combien de chops que j'ai vu là, qui était bon à date. Wildy. Ça c'est une vraie... Non, j'ai pas pris. C'est une arnaque, Wildy. Dodger, ça peut être un bon trade, limite. Jusqu'à date, mes trades, c'est none pis none. Ok, je me suis débarrassé du ninja bleu. Qui ça? Omni Slash. Mais non, j'en prendrai pas trop, autre que si c'est Magic Blade. Ah, si j'ai une RNG de boss Slash. Mais pas grave, j'ai Lightning, c'est ça la bonne nouvelle. Oh, je te dis, j'ai jamais Plague ou Lightning ou quelque chose de bon contre ça. Quoi que je pense que... Ben, Lightning, c'est très OP selon ce que je viens de voir contre le boss larve, surtout quand il est dans l'eau. Ben, il y a une fois dans la run 100% que j'avais plague, tout ça, c'est bien. Garde. Hey, j'ai trouvé un shop spécialement pour toi. Quoi? Golem Shift. Je savais que c'est ça que t'allais dire. Parce que je l'ai eu comme un peu spoil. Ah, boule! Ok, c'est correct. Pendant un instant, j'ai eu peur que je pouvais pas avoir les gems, mais j'ai pu avoir les gems. Tout est correct, on est capable. Non! Un ninja bleu vient de... Il a détruit un Shrine of Restorations qui va m'empêcher de finir le tableau. Ah. Oh. Mais par là, j'ai dépensé des clés puis j'ai ouvert le prochain level. Ah. Ah, j'ai quasiment réussi les deux Soul Frame Perfect pour réussir à passer les pics. Je sais pas, mais moi je suis dans le niveau 7 en ce moment. Puis je vais tout ça. La seule raison pourquoi je suis là, c'est pour les goals. Un boss larve, non! Mais j'ai 6 clés, ça fait que. Ça fait que. J'ai pris le trait agile parce que je le considère comme étant. Acceptable. Au pire. Ouais, mais ça faut pas le dire tel quel. Ben, c'est OP, ça. C'est un trait qui permet directement de gagner quelque chose comme facilement quelque chose comme 15 minutes dans ta run. Si tu te trouves au début, c'est OP pas mal. Ouais, j'ai gifted, mais non. C'était quoi la joke? Ben, c'était le shop qui me proposait ça.
Gifted. Bon. J'ai fait le... J'ai le Weaver. Nice. Pas tant utile que ça. Pas pour moi. Il y a une fois que j'ai pogné le Bond Dagger par accident parce que je faisais genre du clear avec les Dwarf Turret. J'avais aussi Keymaster. Ah, t'es sérieux? Ouais. Non, non, mais pas toi en soi. Ça, j'aime ça, les portails qui sont genre juste au début du niveau. C'est quoi qui est bien aussi, c'est les pics qu'il y a juste à côté d'un portail, comme ça je peux recommencer une game juste après. Parce que c'est quasiment une mort instantanée, pis ça, j'aime ça quand je veux mourir instantanée. T'as dit qu'est-ce qu'il y a de pire qu'un jeu qui crash quand tu joues vertical drop hero? Un jeu qui lag? Non, une crampe à la cuisse pendant que tu joues un vertical drop hero en faisant un speedrun. Quoi? Ben j'ai une petite crampe à la cuisse que dans le poignet et c'est en fait ici. En quoi c'est supposé t'ennuyer? Parce que la cadence de crampe à la jambe me fait placer dans une position plus qu'inconfortable. Inconfortable. Je vois. Ouais, c'est ça, one shot. Ce que j'appelle les bons one shot. C'est quoi les mauvais one shot? Magic Blade. Ah, c'est quoi les mauvais one shot? C'est quand il y a un ninja bleu qui se tépé sur toi. J'ai besoin de deux clés pour accéder au portail. Oh. Ah, deux clés. Tu pensais que j'étais fait, hein? Tout était bien coordonné. C'est un super plan. C'est quoi qui est moins bien? C'est qui est pas un super plan? Ça où les warp bleus? Oh, un warp bleu. C'est ça que je voulais. J'étais genre passé les deux, quasiment les deux tiers du niveau. J'ai quasiment eu l'impression que mon jeu allait crash. Pourquoi? Parce que t'as trop de Magic Blade? Non, pas encore de Magic Blade. Oh. Bon, c'est le temps pour le Warp du niveau 7, ça c'est le pire. J'ai crissé des coups de canne sur la tête à Rumble juste qu'il y a un qui crève. Des cannes? Quand t'as un staff, c'était une genre de canne. Une fac. Ça on peut dire. Ouais. Ah, il y a un ninja bleu pas très content. C'est bon ça, des bonnes raisons de mourir. J'approuve. Je sais. Ce qui est bien aussi dans la vie avec confusion, c'est que quand que t'es en
bas de vie, puis tu sens que tu vas crever, t'as plus sur confusion, puis des fois t'as des niveaux d'XP. T'as de l'XP qui apparaît de part. Ok, j'ai Magic Blade Sunworm à Jules Phoenix. Tu dors bien au pied, ça, comme kit. Non, et puis j'ai eu de la chance en tabarnouche de. Sur les rerolls. De roll en, très rapidement, avec un staff en plus. Attention au boss. Moi j'avance là, puis y'a plus rien qui doit se mettre dans mon chemin, sinon il crève. Combien de boss est-ce que tu es? Là c'est, il va m'en rester. C'est quoi le portail que t'as? Là en ce moment là, je suis en mode je rush jusqu'au boss final puis je finis le jeu. Ah ouais. Je viens juste de recommencer là dans le fond. Ok, j'ai le portail du niveau 7 moi. Ah oui, le portail du niveau 8, ça risque d'être un peu moins le fun. J'sais pas, le niveau 7 pis le niveau 8, c'est le fait que c'est genre c'est un boss volant qu'il faut que tu te battes. Un boss volant non identifié. Allez, donnez-moi de l'XP, je veux l'XP. C'est fou de voir le nombre de shops que je trouve par level. Bon, je suis rendu au level 4. Moi, je suis au level 8 en ce moment. Ok, fait que j'ai comme utilisé un portail de retour. C'est la seule raison pourquoi je tag toutes les. Que je tag toutes les warps, c'est que. C'est juste trop risqué d'y aller. Non, les poteaux électriques du Québec. En fait, c'est en partie pour ça aussi que tu utilises les wards. C'est justement quand t'as des poteaux d'hydro. Exactement. Le pire, c'est que je pensais que j'étais fini. Je pensais que j'étais pour être fini avec le niveau 7. Mais non, faut que je recommence. Parce que le jeu est sadique des fois. Quand je dis des fois, c'est pas mal toujours en fait. Bon, level 5. Hein? Il dit bon, level 5. Ça te prend donc bien du temps pour clear tes niveaux. Hey, j'ai eu un léger contre-temps, je suis tombé à court de potions. Puis mes Sunworm, ils ont pas été c'est un peu parfois putain de jouer avec les Sunworm parce que ça a comme un côté imprévisible. Ouais, parce que des fois c'est genre tu vas dropper dans les pics pis tu vas être joyeux. Non, ça les bouffe les pics. Non, mais des fois, c'est genre, tu tombes dans un endroit que tu sais pas c'est quoi qu'il y a. Là, tu tombes sur des pics, pis tu crèves, pis t'as un sourire dans la face. Parce que c'est drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus drôle que ça? Ouais, le fait que je suis rendu au level 7.
Ok, bon, j'ai pogné un RNG de changement d'habilité. Yes. Le boss là! Fuck! Oh! Tanné. Sérieux, je pensais être fini pour. Je pensais le passer du premier coup au niveau. Genre la cause du warp du niveau 8, mais non. Déjà, j'ai. Je me suis planté dans ma chambre. Ce qui est bien, c'est qu'avec la crossbow, tu peux casser les carrés à pic. Ok, je me faisais courir à mort par un Raven après. C'est pas drôle, ça. Des clés là. Non mais savais-tu ça que les cages que tu ouvres ça te donne de l'XP? Non, je savais pas. Pourquoi est-ce que j'ai été vers un shop en pensant que c'était un Shrine of Restoration? Je sais pas. Parce que j'ai Senwar. C'est quoi ce one-shot là? C'est quoi? Allez, donnez-moi une sortie glitchée, c'est là que je la veux, pas dans une run à 100%. Ok, mais je veux juste aller réussir à. Non, mais sérieux, je veux juste des. Ouais, ça se rend même pas, ok, fuck off. Si. Juste finir le niveau 8. Donnez-moi une chance pour finir le jeu. Ok, mais ça c'était chiant. J'suis mort. Pourquoi? C'est quoi qui m'a tué? Non, mais je te dis, c'est toujours au niveau 7 que je choque ma run. Y'a pas une seule run que j'ai pas choke au niveau 7. C'est ça, les spells. Là, t'es rendu à quel niveau, là? Je suis mort à nouveau, mais malgré tout. Je me débloque des warps de plus en plus vite, fait que tant que je suis capable de me rendre jusqu'au boss de fin ultra rapidement, je suis correct, il m'encaisse, mais les magic blocks ils scalent pas sur mon damage. Je me pogne du damage juste personnellement pour quand je suis pogné sans spells pis sans potions. Ça scale pas? Ouais, pas à ce que je sache. Anyway, tu t'en bonne et noisette, avec le boss de fin, tu fais juste les spams.
Puis moi je fais. Puis moi j'appuie une fois sur D, puis il est mort. T'as pas d'image. Hey. Ouais. Non, mais c'est. Comment est-ce qu'on le savait pas, ça? Parce qu'on n'a pas peur. On n'utilise jamais Polymorph. Moi, je l'utilise. Ah bon? Ben, pas moi. Allez! Attends, le boss crève. Je veux les gems, ça, par contre. Ok. Là, on choque pas le niveau 8, ça me tente pas de refaire le niveau 7 encore et encore. Je vais même prendre le Shrine of Hell pour être sûr de pas crever. Bon, c'était-tu si dur que ça? Je l'ai enfin eu, le Warp 8. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est... Après ça, c'est de prendre... Que... Un kit qui a Polymorph, pis c'est GG. Polymorph et Crossbow. Moi j'adore ça, les levels avec des larves dedans. Tu sais là, quand ça spawn l'ennemi, là, pas le boss. Larve. Ah ouais. Pourquoi? Où est-ce que tu le lèves? Parce que, en fait, il drop bien des potions. Ah. C'est vrai. Sauf que moi, les potions bleues, ça fait absolument rien, quasiment. Ouais, mais parce que moi, j'ai mon kit. Je sais que j'ai confusion, mais à part de ça. En fait, c'est Magic Missile que j'ai, mais à part de ça. Genre. Les potions bleues. Toujours les potions bleues. Voyons voir jusqu'à où qu'il faut que je descende avant de pogner le warp du niveau 9. Je sais pas, mais le niveau 9 c'est facile de le passer, sauf qu'il y a certaines fois que c'est genre je crève pour aucune raison. Qu'est-ce qui va arriver cette fois-ci? Ouais, peut-être que je m'enligne sur le 7-1. Ça risque d'être proche, par contre. Moi non, je m'enligne pas pour un sub-1, fuck. Pas en tout. Ah non? Ben, je penserais pas là. Ça me surprendrait bien gros, en tout cas. Ben, quoi que je suis quand même au level de lave, là. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi des fois les ennemis volants ils volent vers le haut mais très rapidement? J'en sais pas. J'avais mais c'est surtout quand ils sont dans de l'eau où ils touchent un sol, on dirait. Ouais, j'avais remarqué que ça avait un rapport avec l'eau des fois, mais c'est pas toujours le cas. Non, le Raven, tu me seras pas. Pas aujourd'hui. Ok, le 29. Oui, non. T'as comment j'ai fait pour gagner un niveau, j'attaquais rien.
De quoi qu'il s'est pitché d'un pic? Il y avait des pics? Ok, peut-être. Je sais pas, moi. Je suis prêt à accepter cette hypothèse. J'ai pas pris attention à s'il y en avait. Ah, oh, j'ai ça, la glace. C'est pas la glace en tant que telle qui fait mal, c'est les dégâts gratuits que tu prends. Ouais, ça va vraiment être proche. En fait, je pense que je vais reroll là, mais juste avant, je vais redémarrer le jeu. Bon, ça me prend Polymorph et Crossbow en même temps. Bon, je suis au level 10. T'en veux que t'avais dit que t'étais pas sûr pour un sub. Ben là, ça a changé assez vite, sans que j'en ai même connaissance. Crossbow, Polymorph et Dwarf Turret en même temps. Ça va être drôle. Hein? Si tu veux parler de Kitopi, parlons de ça. Attends, parle pas trop vite. Non mais c'est vrai, j'ai pas confusion, j'ai oublié. J'ai mis une Dwarf Turret dans le vide. Oh, j'ai une boss larve au level 10. Ah, c'est correct, toi, t'es tout. Bon, en fait, tant qu'il me donne des potions bleues, je suis correct. Ok, je l'ai pété. Ouais, c'est ça. Ok, bon, je suis rendu compte de boss de fin. Ok, ça, c'était vraiment faible. De ma part. Mais on le bat combien de fois déjà? 10? Je sais que la dernière fois que ça... La dernière textbook, c'est genre no way that you're gonna defeat me ou quelque chose de même. Si tu veux avoir un Q. Ben là, je suis rendu à 3 fois de battu. Là. Bon, c'est le temps pour le mode ascenseur. J'ai collé les Dwarf Turret. Ben, c'est vrai, ça me prend 5 clés pour skip le boss. Tu sais, quand tu... Moi, je suis rendu à 5 fois de le battu, c'est sûr que finalement, j'ai un sub 1. Ah, c'est pas fait. Moi, c'est peut-être pas garanti. Comment ça, no keys? J'ai failli... Ok. Je pense que je suis rendu au dernier. Est-ce qu'il faut arrêter à partir qu'on perd le contrôle? Quand que tu vois genre le... Genre que... Victory... Ah non, j'étais sérieux, j'ai comme accroché mon bouton control. Mais on va pouvoir retimer avec le in-game time. Puis avec la vidéo. In-game time, non. Bon, ça c'est un petit peu faire, j'ai comme accroché mon. J'ai pas eu le soft lock. Ben, en fait, okay, moi, ok, j'ai... ok, là c'est le temps d'utiliser la magie du polymorph. En fait, c'est-tu correct si j'ai. J'ai pause, ben bon, j'ai arrêté mon split. À partir du moment qu'il la dernière fois qu'il est mort. Ben, faut que tu retime là. Allez, donne-moi le sub 1, arrête de dodge mes spells. Non.
Ah ouais! Moi, j'ai eu un sub 1, ça c'est sûr et certain. Ah ouais! Je pense que ça le sera pas. Moi j'ai eu un, mais par contre, moi j'ai eu un sub 1. Non, je ne l'aurais pas, non. Ma vidéo est de 1h20 secondes. Oh, on vient de passer la marque du... Ok, mais ça c'est vraiment what the fuck. Mon logiciel y a pas record. Ça veut dire que j'ai encore le world record. Non, y a pas record la split. Fait que je suis obligé de retime anyway. Ok, 1h47 secondes. Moi, c'est genre 58 secondes. Veux-tu te dire c'est quoi le nom de mon affaire? De mon personnage? El Muncher. Bon. Mais sinon, j'ai le world record en ce moment. Bon, ça a un split. Bon. Ouais. T'as le world record de quelque chose comme 30 secondes. Attends, je vais te dire combien que j'ai arrêté mon time. Mais je sais que j'ai 58 cucs. Ouais. Je sais pas, mais je sens que j'aurais pu avoir le sub 1 si j'avais pas. Si j'aurais pu skip le boss du niveau 10. Mais je sais pas pourquoi. Il me semblait que j'avais quelque chose comme 5 clés, puis là, 3. Mais non. Anyway, bad run.